Wesh, le Mektoub, c'est de la frappe. J'ai publié une vidéo en plus à propos de Mektoub là, je viens de la publier à l'instant. Ça va, super. Je vais mieux. Bon, ma voix elle est encore bancale, mais ça va mieux. Je me sens mieux. Ah mince, je suis restée connectée sur ce snap là. Merci BG, merci la seule. J'ai pas vu, je vois pas. Je me porte bien. Oui, je me porte bien. Ça va et toi? Merci Fanta, merci Belouk. J'ai pas vu. J'ai pris une boisson. Je sais pas si vous avez déjà bu ça. Je vais tester. Je l'ai acheté dans les épiceries asiatiques. Je vais goûter. J'espère que ça va pas m'exploser à la gueule puisque je sais même pas si c'est. Si c'est. Ah. Si c'est gazeux ou pas. Ça a pas l'air gazeux. Par contre, je sais pas, il y a quoi sur la truc là, ça me dégoûte un peu. Merci. Ça sent. Je sais pas. Ça sent chelou. C'est dégueulasse. Ouais, c'est vrai, Azox, du coup. C'est vraiment dégueulasse. Je regoute pour être sûr que ce soit dégueulasse. Mais ouais, c'est bon, je suis sûre. Dégueulasse. C'est à la grenade, mais on dirait qu'ils ont mis aussi les trucs blancs de la grenade. Vous voyez, les trucs qui sont acides. Normalement, grenade, tu mets que les graines, quoi. Là, ils ont tout mis. T'as écouté le nouveau son? Quel nouveau son? Nouveau son de quoi? De qui? Bois de l'eau, ouais. C'est ce que je vais faire parce que c'était pas très bon. Merci Yanis. Oui, c'est fini Zainab. J'ai mélangé Mektoub et Zainab. De Hassan et Souf. Ah non, j'ai pas écouté. Je savais même pas qu'il était sorti. Mais s'il est sorti, je vais aller voir. Oui, c'est moi dans le clip de Fresh. Oui, oui, oui. Merci Lily. Tu vas où pour cet été? Cet été, je sais pas encore, j'ai pas prévu. Je pense que je vais aller à Ibiza. Je vais aller à Ibiza, je vais certainement retourner à Miami. Je vais peut-être faire un tour au Maroc. Je sais pas, je vais voir. Merci Matinaya, merci Le C. Merci Joy. Ouais, j'ai un grand programme pour cet été. On va essayer de bouger un petit peu. Je vois pas mon message. D'origine marocaine, italienne et luxembourgeoise. Le clip de Soul King. Je sais pas s'il va sortir parce qu'il y a un petit souci avec. En fait, pour résumer, c'est pas Soul King qui a décidé que le clip ne sortirait pas. C'est la personne qui a payé pour le clip. Voilà. Et
Du coup, logiquement, elle n'est pas censée sortir. Ça fait déjà très très longtemps que je l'ai tournée. Ça va faire un an que je l'ai tournée. Donc, je sais pas s'il va sortir, mais dans tous les cas, je l'aurai. On va me l'envoyer en privé. On peut enfin supprimer My Al, le robot sur Snap. Ah ouais, je savais pas du tout qu'on pouvait le supprimer. Bon, j'ai jamais parlé avec lui, mais. C'est quand le nouvel épisode de Mektoub? Il n'y a pas de nouvel épisode de Mektoub, ma biche. C'est terminé, Mektoub. Merci Sébastien. Non, je suis pas à Londres. Du tout. Là, je suis à Nancy, là. Rien à voir. C'était bien le clip à fraîche. Ouais, c'était bien. C'était vraiment bien. La peau sucrée? Je sais pas si j'ai la peau sucrée. Merci le S. J'ai 25 ans. Il n'y a pas une saison 2 de Mektoub. Je pense qu'il va sortir une autre série. Je pense pas qu'il y aura une suite de Mektoub, mais il y aura une autre série en tout cas. Tu sais, moi je suis un grand fan de Chelsea. Vous avez la punch. Vous avez la punchline. Bien sûr, Mira. Merci Redouane. Ouais, je suis à Nancy là. Merci Mira. Je suis un grand fan des quoi? Des blues? C'est ça que t'as dit? Des blues? Je sais pas. Ça aussi, c'est lui qui l'avait dit, je crois. Merci. T'as dead ça au dernier épisode. Merci, merci. J'ai posté un TikTok à propos du dernier épisode. Allez voir mon dernier TikTok, je viens de le poster là. Vous allez rigoler ou pas? Je sais pas si vous allez rigoler, mais. J'ai posté un TikTok par rapport au dernier épisode. Le corps et la voix sont en désaccord. Bon, je vous avoue que là, ma voix, elle est plus grave que d'habitude parce que je suis malade. Mais j'ai déjà une voix grave de base. J'ai déjà une voix pas très féminine. Mais bon. Mais bon, mais bon, mais bon. Merci pour le petit cadeau. Nouveau son de Hassan et Souffle à 18h. Il est quelle heure là? Mais il est 20h. Il est déjà sorti alors. Alors je viens pas du tout de Sainte-Marie-aux-Chênes, mais je connais très bien Sainte. Enfin, je connais très bien. Je connais quoi, c'est à côté d'Amnéville, mais je connais Sainte-Marie-aux-Chênes. Je te conseille d'aller à Dubaï. C'est vraiment pas ma destination parce que là, il fait super chaud à Dubaï. Ouais, on est tous, enfin la plupart des gens enrhumés à cause des allergies, etc. Attendez, je prends juste un petit coussin, histoire de le mettre bien. Ah, demain à 18h, ok. Donc demain à 18h, le clip il va sortir. Dans Mektoub, oui, je suis dans Mektoub. T'as géré dans Hassan. Dans Mektoub, tu veux dire, je pense pas dans Hassan. J'ai 25 ans. Qui tourne sur les réseaux. Merci, 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 merci. Je me décale un petit peu. Je suis musclée? Ah ouais? Merci pour le cadeau. Non, Aïcha, elle est pas morte, hein, les gars. Elle est bien vivante. Merci. Je travaille pas encore. Je travaille pas. J'étais à l'école. Merci Rial. C'est quand tu vas voir Baos? Je l'ai vu samedi. C'était
C'était samedi, je crois, ouais, samedi. Merci Thomas. Merci gros, merci Ali. Est-ce qu'il y aura une nouvelle série? Oui, il y aura quelque chose de nouveau. Il y aura un nouveau truc. Je sais pas vous dire quand, je sais pas vous dire quoi, je peux juste vous dire qu'il y aura quelque chose de nouveau. Les guys. Oui, c'est moi. Merci pour les roses. Il y a deux personnes qui font des concours là, de roses. Ah, bah c'est monsieur RH qui a gagné, MRH qui a gagné. Au Maroc, il y aura une suite. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire s'il y aura une suite ou pas. Parce que déjà, je sais pas ce qu'il a choisi de faire. Et dans tous les cas, je pourrais pas vous dire. Pour pas vous spoil, quoi. C'est normal. Oula, il s'arrête plus. 143, 144. Moi, je sens que dans la prochaine saison, il y aura Haja entre toi et Hassan. Je ne peux pas vous dire. Elvira. Ah, c'est toi qui me dis tout le temps Elvira partout. J'ai pas compris pourquoi il y a quelqu'un qui dit Ukange, Ukange. Tu veux que je te dise quoi? Ukange? Ouais, Ukange, ok. Merci. Oh. Purée, mon téléphone il est chaud parce que je suis en train de le charger. En même temps, je fais un partage de connexion. En même temps, je fais tout. Je vais débrancher un peu parce qu'il va exploser, je crois. Ouais, je suis enrhumée. Je suis enrhumée. Tu seras dans la nouvelle série ou pas? Ben écoute, normalement, on verra. Je sais pas s'il y a besoin de moi. On verra bien. Oui, Blacktop, c'est fini. Je viens de Nancy. Je viens de Nancy, les gars. Moi aussi, c'est Sarah. Des acteurs. Ah, purée, ça passe trop vite. Je vois pas vos commentaires, ça passe trop vite. J'ai pas le titre de la nouvelle série, j'ai rien du tout. Dans la nouvelle série. Non, j'ai personne dans ma vie. Non, j'habite pas du tout à Paris. Merci. Moi, je viens de Nancy. Tu penses quoi de l'histoire de l'INSEE? L'INSEE, c'est la petite qui s'est suicidée parce qu'elle se fait harceler, c'est ça? Bien sûr, je connais Metz. J'étais au lycée à Metz. J'étais au lycée Faber à Metz. Ma robe, on la voit très bien, ma robe. Voilà, c'est une robe simple, fleurie. Je sais pas où je l'ai achetée. Tu connais Forbach? Ouais, je connais Forbach. Forbach, je connais. Bérène, Forbach, Saint-Avold, tout ça, je connais. Je connais, je connais. Salut Farah! Dis quoi tes copines avec Ipti? En fait, sachez que dans la série, on se connaît pas tous parce qu'on tourne pas tous en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des gens que j'ai jamais vus, par exemple Aïcha, je l'ai jamais vue. Il y a plein de gens que j'ai jamais vus. Donc voilà. Donc on se connaît pas tous. Merci.
Tu pourrais te marier avec un blanc converti? Je veux pas me marier tout court. Donc c'est pas vraiment ça le problème. Ça va et toi, Lana? Mektoub, c'est Argenteuil. Il y a une partie qui est Argenteuil, ouais. Pas tout, mais il y a une partie qui est Argenteuil. Tu arrêtes le live quand? Je sais pas. Je sais pas, mais je vais faire un petit live et après je vais couper, comme d'habitude. Comme je fais d'habitude. D'origine marocaine, italienne, luxembourgeoise. Merci RRD. Merci El Pharaon. Je rêve, on m'a demandé si j'ai fait un BBL du visage. Sache qu'on peut pas faire un BBL du visage. Et j'ai rien touché dans mon visage. Il sort quand son freestyle? Le freestyle de qui? Parle de freestyle de Fresh Ladouille là, je pense. On parle pas du freestyle de Hassan. Sauf si Hassan a fait un freestyle et je suis pas au courant. Merci, j'ai pas vu ton pseudo, c'est écrit en arabe en plus, donc je saurais pas te lire, mais. Pourquoi Aiden, il est dans la série? Parce qu'il est dans la série. Non, j'ai pas du tout de jawline. J'ai déjà fait des injections aux lèvres, mais j'ai pas du tout de jawline, si tu veux savoir. Je pense que ça doit être le filtre. Mais j'ai pas de jawline. J'ai jamais touché mon visage, les guys. Hassan, il va faire une nouvelle série. Je vous ai dit, il a prévu autre chose, mais je peux pas vous en dire plus. Elle me disait, ça c'est le clip de Fresh Ladouille. Non, je suis pas tatouée. J'ai jamais fait de tatouage et je compte pas en faire. Voilà. Ma perle, t'es incroyable. Merci. Merci pour le cadeau. D'origine marocaine, italienne, luxembourgeoise. Je suis désolée si je me répète, les guys. Mais on me repose la question. T'es amoureuse de Hassan? C'est une question ou c'est une affirmation? Sophia Loren, c'est pas la mannequin italienne, non? Merci le petit drapeau de l'Albanie. Je t'aime, c'est trop chou. Merci. T'es vraiment allée vivre en Amérique? Non, je suis pas allée vivre en Amérique, mais je compte y aller. Je suis en train de faire ce qu'il faut pour. Donc voilà. Merci. La tenue, franchement, je saurais pas te dire. Il me semble que c'est une robe de chez Shein, mais ça fait assez longtemps que je l'ai. Sophia Loren, c'est un très 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 beau compliment. Je vois pas le rapport, mais c'est quand même un beau compliment. C'est pas grave. C'est qui Inès? Merci Kélina. Tu
Tu fais quoi ce soir? Ce soir, je vais aller manger dehors, je pense. Et voilà. Hein. Après, je vais rentrer. Inès, c'est Aïcha. Ah, ok. Je savais pas qu'elle s'appelait Inès. T'as trahi le B, c'est pas bien. Non, je l'ai pas trahi parce que depuis le départ, j'étais pas avec le B. Donc, ça s'appelle pas une trahison. Ça s'appelle un guet-apens, mais c'est pas une trahison. Merci, c'est gentil. Ouais, la série, elle est finie. J'ai l'air gentil? Ah bah ça va. Ça va alors si j'ai l'air. Pourtant, c'est pas ce qu'on me dit d'habitude. On me dit que j'ai pas l'air gentil. Bon, après, ça me dérange pas, mais. Viens à Monaco. J'ai déjà été l'été dernier à Monaco. C'est cool, hein, mais il y a beaucoup de côtes de montée. Tu connais Nasgang? Non, je connais pas Nasgang. Gang. On dirait que t'es la méchante dans la série. Ah ouais, tu trouves? Bah non, j'étais pas la méchante. J'ai aidé à venger la mort de quelqu'un. C'est gentil, non? Oui, c'est moi, Zara. Merci, LD91. Et j'ai 25 ans. Merci, Tony. Oui, Mektoub, c'est fini. C'est fini pour cette saison. Non, je suis pas de Strasbourg. J'étais à la fac à Strasbourg. Il fut un temps. Merci, Tessnim. Moi, je trouve que tu as été gentil dans la série. Bah oui, moi aussi, je trouve. Jouer dans une série, je pense que je voulais dire dans une autre série. Je vous avoue qu'on m'a proposé une autre série, mais c'est pas une série que j'ai kiffé, du coup j'ai pas donné suite. J'ai joué dans Mektoub, du coup, comme série. Merci Dadou. Merci petit drapeau du Maroc. Ouais, j'ai vu Baos à Bruxelles. On s'est vu, on s'est vu. Merci Zizou. Tu les connaissais? Tu les connaissais ou pas les personnes de la série? Ben, ça dépend qui. Il y a des gens avec qui j'ai tourné que du coup j'ai connu. Mais il n'y a pas tout le monde que je connais dans la série, vous voyez. Je ne vois pas les messages. Sérieux, pourtant les gens ils me disent toujours que je suis plus belle en vrai. Moi aussi je trouve d'ailleurs. Mais tu dois être une ou un petit rageux. Donc ça me dérange pas. Merci. Dans un clip, ouais, j'ai fait plein de clips. Enfin, plein de clips. J'en ai fait pas mal quoi. Non, je bois comme ça parce que j'ai pas envie d'enlever mon rouge à lèvres. Vous savez, il est juste là. Comme ça m'évite d'en remettre. C'est pour ça que je bois ça. Ouais, ma grand-mère, c'est Nicole. Tu veux que je lui passe un message? Parce
Parce que je vois, ça fait 5 fois que tu mets le message, donc ça doit te paraître important de signaler que ma grand-mère s'appelle Nicole. Du Botox. Alors non, j'ai jamais fait de Botox. Je pense pas en avoir besoin tout de suite, étant donné que j'ai que 25 ans. Mais le jour où j'en aurai besoin, je te le ferai savoir. Grosse force à Nicole. Ouais, je suis malade. Je suis un peu malade. C'est pour ça que j'ai un peu la voix. T'étais pas dans le 9-4 hier. Non, j'étais pas dans le 9-4 hier. Tu sais, je sais pas si c'est comment ça s'appelle? Oh, j'arrive pas à cliquer sur son profil. Il y a une dame qui est maman de deux enfants qui fait une obsession sur moi, ou deux enfants ou un enfant, je sais pas, qui fait une obsession sur moi parce que je suis sortie avec son mec il y a 15 ans en arrière et elle veut pas lâcher l'affaire. Donc du coup je vais la bloquer du live. Comme ça elle sera obligée de refaire un autre compte TikTok pour me pister. Voilà. Désolée, je sais plus comment elle s'appelle. Je crois que ça commence par un. Ah, Ajar, je crois qu'elle s'appelle. Voilà, désolé Ajar. Ton mec, il est éclaté et j'en veux pas. Et ça sert à rien de pister mes lives. Voilà, bisous. Merci. Merci, c'est chou. Oui, j'ai fait de la chirurgie, j'ai fait un BBL. Comme je l'ai dit dans mes TikTok, j'ai fait un BBL et j'ai refait ma poitrine. Oh, je vois pas. Elle est bien la série de Hassan. Alors avec Baos, bah avec Baos, rien. C'était cool. On a passé une petite journée sympathique. On a bien rigolé. Merci Anas. Tu vas à Cannes cet été? J'ai pas prévu d'aller à Cannes. Pas prévu d'aller à Cannes, mais peut-être, on va savoir. Non mais Dani, même avant ça, je faisais déjà la bombe, si jamais. Ibiza, je vais y aller là. Je vais y aller, peut-être la semaine prochaine, je vais y aller. Là, ou la semaine d'après. Je vais aller bientôt. Casa. Casa, Casa. Ouais, Casa, je vais y aller aussi. En fait, je dois aller partout, mais faut que je case tout ça, vous voyez. Il fait pas beau à Ibiza, j'y étais. Mais non, me dis pas ça. Me dis pas qu'il fait pas beau. Là, tout à l'heure, j'ai parlé de Ibiza. Ah, je peux pas regarder. J'ai pas de connexion sur mon hôtel. Mais j'espère qu'il va faire beau, je veux dire. Attends, je voulais faire quoi? Ah ouais, c'est vrai. Il fait 20 degrés et nuageux. Pff, marocaine, italienne, luxembourgeoise. Oui, j'ai fait avec tout. Attends le mois de juillet pour y aller. En juillet, je voulais aller ailleurs. Mais là, je voulais vraiment aller à Ibiza. Dommage. Je vais regarder la météo pour les jours à venir. J'espère que ça va changer d'ici là. Peut-être que fin juin, il fera plus beau. Merci, Lee. J'ai pas vu ton blaze. À Manhattan, carrément. Juillet, je te conseille Marseille. Je te mens pas, à Marseille, ça me dit rien. Ça me dit pas trop, mais bon, peut-être que je vais changer d'avis un jour, hein. Madagascar, j'ai une copine de ma mère
enfin de mes parents, qui ont adopté des enfants qui viennent de Madagascar. Et quand j'étais petite, ils nous montraient tout le temps des photos de Madagascar, etc. Et ça a l'air incroyable. Ils ont acheté une maison là-bas et tout. Du coup, ils vont souvent avec les enfants qu'ils ont adoptés à Madagascar pour leur montrer d'où ils viennent et tout. Et franchement, ça a l'air super beau, Madagascar. J'irai un de ces quatre. C'est pas encore dans ma liste tout de suite, mais j'irai à Madagascar un de ces quatre. Ma destination de rêve, franchement, j'ai pas trop de destination de rêve. J'ai envie de faire plein de pays, vous voyez, mais j'ai pas de destination de rêve. J'essaye de faire le maximum de pays possible. Oui, c'est moi, merci. Merci. Turquie, j'ai déjà été plusieurs fois. Turquie, Égypte, j'ai déjà fait. Égypte, j'ai été à Sharm el Cheikh, à Hurghada. En Turquie, j'ai été à Izmir, Istanbul plusieurs fois. Ankara, Antalya, j'ai déjà été. Ouais, Turquie, j'ai expliqué hier, mais du coup, ceux qui n'étaient pas là hier. Tunisie, j'ai déjà été aussi. J'ai été à Tunis. Tunis, Carthage, je me rappelle. Tunis. Ouais, j'ai été à Antalya et Ankara. Thaïlande aussi, j'ai déjà été en Thaïlande. Plusieurs fois. J'étais deux, trois fois en Thaïlande, je crois. Trois fois. Kabylie, Algérie. En fait, le truc, c'est que pour aller là-bas, il faut un visa. Ouais, ça, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait Algérie, Kabylie, tout ça, j'ai jamais fait, mais peut-être un jour. Ankara, ouais, j'ai bien aimé Ankara. New York, j'ai déjà été aussi. Malaga, Californie, j'ai déjà été aussi. J'ai été dans pas mal d'endroits. Déjà, quand j'étais petite, j'ai beaucoup voyagé. Du coup, il restait. Du coup, quand j'ai eu 18 ans, j'ai fait les trucs de mon côté et j'ai été dans les pays où j'ai pas fait avec mes parents, quoi. J'ai fait la Californie, j'ai fait la Floride, j'ai fait les deux. Sénégal, j'ai jamais été. Bali, j'ai jamais été aussi. En fait, je voulais y aller cette année, enfin, vous voyez, l'année passée. Enfin, l'année passée. L'année 2022, je voulais aller à Bali. Or, je regardais la météo, de janvier à décembre, il faisait moche, il a plu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, j'ai pas pu aller à Bali l'an dernier. J'ai été en Colombie à la place, mais j'ai pas été à Bali du coup, parce qu'il pleuvait, il faisait que pleuvoir. À chaque fois que je regardais la météo de Bali, il faisait moche. Je voulais pas. Île Fidji, j'ai jamais fait. Grèce, j'ai déjà fait plusieurs fois. Canada, j'ai jamais fait. Merci Camélia. Non, Bodrum, j'ai pas fait. Îles Canaries, j'ai été pour un tournage. Les îles Canaries, franchement, c'est pas top. Hein. J'ai pas trop kiffé, moi. C'est, je sais pas. C'est un peu pour les vieux, je trouve. Japon, incroyable. Japon, j'aimerais vraiment bien y aller. Punta Cana, j'ai déjà été. Je trouvais ça nul. Cuba, j'ai déjà été. Quand j'étais petite, il y avait l'embargo américain. Il n'y avait pas de coca. Pas de wifi. J'étais au bout de ma life. Mais c'est très joli. Brésil, je veux y aller. J'ai regardé les billets encore hier. Les billets sont très chers. Donc j'attends un peu de trouver une bonne période. Parce que 1 600 € le billet pour aller au Brésil, ça me fait un peu chier. Donc je suis en train de regarder les meilleurs tarifs. Mais le Brésil, c'est cher pour l'instant. Non, on dirait pas que j'ai le nez bouché. J'ai vraiment le nez bouché. Maldives aussi, j'ai déjà fait. Dubaï, j'ai déjà fait plusieurs fois aussi. Arabie Saoudite, j'ai déjà fait. Mon père, il travaillait en Arabie Saoudite à un moment donné, donc quand j'étais petite. J'ai déjà été en Arabie Saoudite. Portugal, j'ai déjà été aussi. Ma tante est mariée avec un Portugais et on avait été dans sa famille. C'est près de Lisbonne, c'est un petit village, mais je saurais plus vous dire le nom. Bornie, j'ai déjà été aussi. Ouais. Tunisie, New York, Jamaïque, non, Suisse bien sûr, j'ai toute ma famille en Suisse. J'étais à Fuerteventura, c'est ça?
Grèce, j'ai fait. Mexique aussi, j'ai fait. Ouzbékistan, j'ai pas fait. Non, j'ai pas voyagé dans le monde entier, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de beaucoup voyager. En fait, j'aime beaucoup voyager. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime dire qui n'aime pas. Saint-Elle, ouais, Saint-Elle, j'ai déjà fait aussi. Les taxiphones de Saint-Elle, tout ça, on a déjà fait. La Malaisie, j'ai pas fait, non. Égypte, ouais, Argenteuil. Zarzis, j'ai jamais fait. L'Égypte, ouais, j'ai déjà fait. Quand j'étais plus petite. Hurghada, Sharm el-Sheikh. Les Turcs, très accueillants. Très gentils. On mange très très bien. Quoi d'autre? J'aime beaucoup la Turquie, moi. Merci, Loubna. Agadir, j'ai déjà été. Ouais, Louis, on a déjà été aussi. Au Maroc, bien sûr, je suis déjà partie au Maroc, c'est chez moi quand même, j'y vais souvent au Maroc. Thaïlande, j'ai déjà fait. Croatie, j'aime pas. Croatie, j'aime pas. Pas du tout, j'aime pas, j'ai jamais été, je voulais dire. Merci Yacine. Porto Rico. J'aimerais bien. Peux dire Aileen, bien sûr Aileen. Non, j'ai jamais fait. Vous savez où j'aimerais bien aller en Afrique? J'aimerais bien aller au Kenya. J'aimerais bien aller au Kenya et faire un safari en Tanzanie. Voilà. Un safari, genre un bon safari au Four Seasons en Tanzanie. Ouais, c'est quelque chose. Mexique, je te conseille Tulum. Tulum, c'est très joli. Et c'est la fête. Oui, c'est moi, Amina. Oui, Maraz. Je te conseille la Guadeloupe. J'ai déjà été en Guadeloupe et j'ai déjà été à Saint-Martin aussi. En fait, j'ai fait Guadeloupe, Saint-Martin. J'ai bien aimé. C'est un peu petit, on fait vite le tour, mais j'ai bien aimé. Non, j'ai 25 ans, pas 23. Mais si tu veux penser que j'ai 23 ans, t'as le droit, tu peux. Je suis rentrée quand de Miami? Je suis rentrée il y a un moment déjà là. Je peux dire Gilly. Oui, je peux dire Gilly. T'es déjà venue à Mantes-la-Jolie? Non, je suis jamais venue, je crois. Sauf si j'y suis passée et que je connaissais pas. Donneuse de goût, exactement. Les gars, je vais couper le live parce que le téléphone, je crois, il va exploser. Je refais un live tout à l'heure, un peu plus tard ce soir. Je pense que je vais refaire un live. Donc voilà, soyez à l'affût. Et on se dit à tout à l'heure. Merci le R. Merci le R, merci, merci. Bisous les guys, à toutes.